Bonjour et bienvenue pour cette première du spécial Festival du film panafricain de Cannes, 5e édition. Avec comme thématique Cultivons la paix, le Festival 2008 se veut avant tout une pierre dans la construction de la paix et de la tolérance. La caméra prend la place du citoyen et pose son regard sur notre monde. Il se décline entre cinéma, musique, photo et peinture. Une programmation riche en émotions. Récapitulatif des projections du jour. Première projection de ce vendredi 18 avril à la Maison des Associations. Commentaire sur la vie et la mort de Nikunja, un documentaire expérimental de 52 minutes. Association acteurs et public en utilisant la confrontation entre la qualité de différents médias comme vecteur pour des nouvelles formes de création, Nikunja utilise le cinéma en le mariant à d'autres formes artistiques. Projeté pour la première fois cet après-midi à la Maison des Associations à Cannes, Le Pouvoir de l'Art, Voix de Femmes en Afrique, un documentaire canadien de 51 minutes de Claudine Pommier. L'Afrique n'est pas seulement un continent de guerre et de crise, il y a aussi une Afrique vivante et dynamique qui est souvent soutenue par les femmes. Spécial festival du film panafricain avec le documentaire événement This is Nollywood de Franco Sacchi, un documentaire de 56 minutes d'origine américaine. Nollywood ou l'histoire de la révolution industrielle cinématographique nigérienne. Révolution qui permet aux Africains avec peu de ressources de raconter l'histoire africaine au peuple africain. Fort du succès rencontré, les producteurs nigériens proposent entre 500 et 1000 films par an et les ventes de DVD s'arrachent un peu partout dans le monde, faisant des acteurs du continent, des stars de Nollywood, du Ghana à la Zambie. Nautius de Michel Vigneault, comédie française. L'histoire, celle d'un jeune se faisant passer pour le fils du plus grand homme d'affaires de mode à Paris lors d'une sélection de créateurs indépendants. Son but est de se donner une chance d'être écouté afin d'exposer son talent d'artiste dessinateur et son amour pour la création. Monsieur Nautilus, s'il vous plaît. Vous le suivez ? Spécial Festival international du film panafricain et l'interview du jour, celle de la représentante du secrétariat de la commission du film namibien, Anna Chivouté, au micro de Sylvie Moretti. Donc, l'année dernière, un représentant de notre ministère était au Festival panafricain en Belgique et il a rencontré des contacts de cette organisation ici sur Cannes et nous avons trouvé que c'était très intéressant et donc nous avons décidé de continuer cette collaboration et de venir sur place ici à Cannes. Yeah, as I said before that we do have producers, but not at a very technical level. Comme je l'ai dit précédemment, nous dépendons très largement de l'Afrique du Sud parce que nous avons beaucoup de producteurs de cinéma, mais qui ne sont pas forcément hautement qualifiés sur le plan technique. Et donc nous dépendons soit de l'Afrique du Sud, soit d'autres pays étrangers pour la technique. Et c'est pour cela que nous avons constitué cette commission du film au ministère du Tourisme de façon à développer les capacités des Namibiens eux-mêmes.
spécial Festival international du film panafricain, c'est fini, mais on se retrouve demain avec d'autres informations. Retrouvez-nous sur la toile www.festivaldufilmpanafricain.com. À demain.